C'est vous le journaliste, pas vrai? Je lui ai donné votre lettre l'autre jour. Le professeur l'a sans doute lu. Il en a reçu une autre ce matin. Je l'ai mis dans sa boîte. C'est une lettre du muséum. Oh, les lettres du muséum, c'est jamais des bonnes nouvelles. Vous n'aurez qu'à la lui monter. Il a du mal à se déplacer, vous savez. C'est un vieux monsieur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez mon avis, faudrait qu'il voit un docteur. Enfin, moi, ce que j'en dis... Vous êtes le journaliste. La Merzone. Trop tard. C'est fini pour moi. Je n'ai plus la santé, vous comprenez? C'est comme ça. De toute façon, la Merzone, tout ça, personne ne m'a jamais cru, alors... Après toutes ces années, c'est incroyable. L'œuf, il est toujours vivant. Vivant! J'avais décidé de le ramener là-bas, en Amerzone. Mon expédition est prête et j'ai tout prévu jusqu'au moindre détail, mais... Je n'ai plus la force. Force. Il faut que vous y alliez à ma place. Ramenez l'œuf des oiseaux blancs en Amerzone, je vous en prie.
Muséum d'Histoire Naturelle, bureau du conservateur, Édouard Mulot à l'appareil. Quoi ? Malenbois ? C'est encore vous, j'en jurais ! Je vous l'ai déjà dit, c'est inutile d'appeler. Votre projet d'expédition en Amerzo ne nous intéresse pas, vous m'entendez ? Nous n'avons ni le goût ni les moyens de cautionner vos fumisteries aventureuses. Alors, je vous prierai d'arrêter de nous importuner. Mes prédécesseurs ont appris à leurs dépens ce qu'il en coûte de vous faire confiance. Mais bien moi, on n'y prendra pas, sachez-le. Je suis un scientifique sérieux, moi, monsieur. Je ne vous salue pas.
Thank you.